Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons réaliser un amplificateur opérationnel dans le logiciel Proteus. J'ai pris une image d'amplificateur opérationnel à base d'un AOP TDA2050 sur Internet. Bon, je vous invite à faire pareil ou bien à suivre la vidéo. Donc, nous allons réaliser ce schéma dans le logiciel Proteus 8. Laissez-moi zoomer un peu, oui, dans le logiciel Proteus 8. Bon, sans plus attendre, on se lance. Prenons d'abord le composant principal qui est la 2050. Bon, ici il n'y a pas 2050 dans Proteus, nous allons procéder à la 2040. Nous allons travailler à la 2040. Nous allons prendre les capacités. Capacitor. Que ce soit animé. Oui. Les résistances. Il y en a plusieurs. Non. Qu'est-ce qu'on a foutu? All catégorie. Oui. Résistance. Oui, le voici. Nous allons aussi avoir besoin de la résistance ou du haut-parleur. Donc, nous allons aller dans speaker et sonde. Donc, S, quoi qu'il y a ça ici, oui, speaker. Nous allons prendre le speaker actif pour voir comment se diffuse le son dans le haut-parleur. Nous allons aussi prendre une source de tension parce que pour ne pas oublier, il faut alimenter. Si c'est celle, oui. Bon, ceci faisant, nous pouvons démarrer. Nous commençons d'abord par poser notre composant principal au centre du montage. On zoome un peu. Là, nous connectons d'abord la pin plus avec un condensateur d'un micro 22 kg. Oui. Donc, ici, on doit prendre une capacité. Oui, on la route. D'un microfarad. Microfarad, nous allons la laisser à 12 volts. D'un microfarad. Et une résistance, elle était branchée avec une résistance de 22 kg. Donc, allons ici une fois. 22 kg. Et connecté à la masse. Donc, nous prenons le ground. Nous allons être un peu rapides. Prenons le ground et là, on connecter à la pin plus à étape 8. La pin moins est parcourue par 680 et 22 micros. Donc là, nous avons 680 ohms. Allons un peu la reculer comme ça. 680 ohms et 22 micros. C'est que vous suivez. Oui. Là la masse, là c'est 22 micros et là c'est 680. On change directement pour ne pas être embrouillé tout à l'heure. Donc là avec ça, oui, après il y a 22 kilos qui sert de liaison de pont entre l'entrée et la sortie de l'AOP. Donc on peut le placer là. Ils ont parlé de 22 kg, donc on peut mettre 22 kg. Alt-tab. Là, on a un condensateur de 100 nanofarads, donc on peut mettre capacitor. Donc là, vous excusez, erreur de manip. Capacitor 100 nano. 100 nanofarads. Oui. 100 nanofarads. Donc là on s'en va encore avec la masse ground. Nous avons également une autre capacité 220 micros en parallèle direct. La plaçons là. 220 micros. Nous en plaçons directement avec le point de masse une fois. La plaçons en parallèle de celle-ci. Oui, c'est elle ici. Bon, l'alimentation va connecter à la fin. Nous pouvons brancher celle-ci à l'arrivée. Et nous avons un résistant à 2 ohms avec un condensateur 0,47 microfarad qu'on doit connecter. Donc là, prenons la résistance. Résistance de 2 ohms avec une capacité de 0,47 microfarad. 8. 0,47
micro 47. À rappeler, il faudrait changer la tension. Toutes les tensions doivent être à 50 volts des capacités, du moins pour celles qui sont polarisées. Les tensions, mettez 50 volts parce que le circuit totalement avec la tension VCC du circuit, bon, celle-ci on peut laisser à 12 volts parce que ici il ne fait que transiter le signal en sortie. Donc là, par prudence, on peut mettre aussi 50 volts, oui, pour éviter les bugs. Bon, un micro, mettons un micro 50 volts pour tension limite des capacités. Donc, ceci étant fait, nous pouvons placer, on fait descendre d'abord ceci un peu. Et vous allez comprendre pourquoi après. Bon. Là, nous pouvons placer le point de masse ici. Oui, et placer notre haut-parleur speaker. Et là, pour gagner en temps un peu et exploiter le temps restant pour les explications et non pour les câblages. Donc là, il ne nous reste plus que la branche d'en haut qui est identique à celle du bas, à peu de choses près. Donc là, on peut faire un bloc copie et on le place là en faisant un miroir en Y. Donc là. Là, je pense que nous avons fini notre chemin. Qu'est-ce qu'on a oublié? Je ne pense pas qu'on ait oublié quelque chose. Et 680, oui, nous avons tout. Donc, déjà, nous allons tester notre montage en prenant d'abord une source de tension alternative dans Proteus. Prenons la source de tension alternative Vsine. Bon, une fois qu'on l'a prise, nous la plaçons là, entre là et la masse. Nous la plaçons là, oui. Si vous avez du mal, vous pouvez activer la grille, oui, pour vous aider à mieux recadrer. Là, vous pouvez envoyer une valeur en amplitude. Ne mettez pas une grande valeur parce que l'amplificateur est censé amplifier. Si vous mettez 1 volt, l'amplificateur va essayer d'amplifier peut-être jusqu'à 100, jusqu'à 200 volts parce que le gain des amplis, c'est souvent de 100, de 200. Je vous conseille de mettre 10, peut-être, je sais pas, 10 milli, commencer en millivolts avec une fréquence, par exemple, de 50 Hz. Donc, quand on a fait ça, on peut placer un oscilloscope pour observer d'abord si notre amplificateur fonctionne avant de lui injecter une musique réelle. Donc, ayant fait tout ceci, on peut lancer la simulation. Donc, là, on entend déjà un bruit. Bon, là, je ne sais pas si vous l'entendez avec moi, mais là, dans mes oreilles, j'ai un bruit. Vous voyez? Là, on a déjà une amplification en sortie. Voyez là en sortie, nous avons déjà une amplification. Notre signal est 10 millivolts est déjà amplifié, donc ce qui nous rassure que nous pouvons injecter une vraie musique dans notre ampli. Donc, on peut enlever ceci, on peut enlever ceci et chercher là et chercher une vraie musique. Donc, pour trouver la musique, nous allons ici dans Generator Mode, nous prenons audio et nous le plaçons là. Donc, c'est grâce à ça que nous allons envoyer notre musique. Là, il nous demande qu'il ne prend que les WAV-files audio. Donc, nous allons prendre un fichier sur notre ordinateur, n'importe lequel, et le convertir en WAV-file. Donc, allons dans notre ordinateur. Je vais dans Téléchargement, là où j'ai mes musiques, peut-être libre de droit, oui. Je prends cette musique-ci. Bon, ça, c'est la musique que moi, j'ai choisi. Ça c'est la musique libre de droit que je veux convertir. J'ai envie de convertir cette musique parce qu'elle est en MP3. J'ai envie de convertir où elle est, où elle est. J'ai envie de convertir cette musique MP3 en musique WAV-file pour que le fichier Proteus puisse prendre. J'ouvre mon lecteur VLC tout simplement. Je vais dans Média, convertir ou enregistrer. Je vais sur Ajouter. J'ajoute la musique que je souhaite convertir. Dans téléchargement, musique libre de droit, Belief. J'ajoute cette musique là. Utiliser sous-titres, non, non. Convertir, enregistrer, je vais là. Oui, vous voyez, j'ai choisi le format. Ici, mon DA a choisi le format WAV-file. Oui, le format est déjà choisi. Où est-ce que vous voulez que la musique aille? Bon, je vais mettre la musique cette fois-ci dans téléchargement brut.
Mais là, oui, au même nom, j'enregistre, démarre la conversion. Oui. Apparemment, la conversion est terminée. Je vais dans téléchargement et je cherche. Là, il ne m'a pas converti. Oui, le voici. Je vais dans téléchargement et je cherche. Le voilà. Donc, ceci fait, vous avez déjà converti un fichier MP3, un fichier waveform. Donc là, je peux double cliquer cette fois-ci. Je m'en vais dans Bounce et je vais dans ce PC téléchargement où j'ai gardé ce fichier. Je prends le fichier waveform. Et maintenant, ici, à faire gaffe, je vous ai dit que si on met une amplitude, par exemple, d'un volt, la tension amplifiée sera de plus de 100 volts et on aura un écrêtage. Au fait, en passant, nous n'avons pas encore alimenté notre circuit. Donc, c'est mieux ici de mettre une tension, par exemple, de 10 milli, comme j'ai dit, commençons un peu, de 10 millivolts. Et là, on vient alimenter notre circuit avec ce sel. Donc, sel, on peut le placer là, Y meilleur, Y en Y, oui. Et ça, c'est l'alimentation. Là, nous allons mettre une alimentation positive de 45 volts. Oui, ça suffira. Et je ne pense pas qu'il y aura plus d'amplification que 45 volts, mais pour le penser, il faut faire des calculs théoriques. Nous n'avons pas le temps pour ça. Et ça découragerait plusieurs personnes si je faisais une vidéo sur ça. Donc, là, nous allons alimenter et tester rapidement avant que beaucoup de avant qu'on ne perde tout le monde dans la vidéo. Donc là, on a 45 volts. Et là, on aura moins 45. Donc là, nous allons avoir ça. Bon, donc c'est, je pense que c'est bon. Et la résistance de sortie, c'était 2,2 ohms. Oui, 0,47. Il n'y a aucune erreur. Donc nous pouvons lancer notre fonctionnement et suivre la musique. Donc vous voyez, la musique, elle joue correctement. C'est vrai que Proteus calcule. Donc Proteus calcule la musique au fur et à mesure qu'elle joue. Donc c'est pourquoi vous n'allez pas avoir une lecture très limpide comme vous voulez. Non, Proteus calcule la musique au fur et à mesure. Donc tout ce qui joue là, ce sont des dizaines de milliers de calculs par seconde. Donc, voyez si je relance. Voyez, il est en train de calculer en arrière-plan. Il est en train de calculer en arrière-plan. Là, on peut stopper. On peut essayer peut-être d'augmenter par exemple l'amplitude ici. Comme on a mis 10 milli, si on met 100 milli plutôt, vous allez voir que tout de suite le son va devenir très très fort. Voyez, voilà. On stoppe ça. Vous voyez, le son est devenu vraiment, il est devenu vraiment très fort. Donc c'est un peu de ça. Si vous mettez un vol là, vous n'allez plus avoir quelque chose d'audible à la fin. Donc ça, c'est une technique, une très bonne technique pour tester vos amplificateurs audio et voir s'ils fonctionnent convenablement comme en théorie ou comme vous avez conçu. Bon, merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine. Likez, abonnez-vous. Ça fait plaisir.